Chers amis de la guitare, bonjour. Alors, voici un petit tutoriel pour vous attaquer à la fugue BWV 1000 de Jean-Sébastien Bach, qui, comme vous le savez, est une pièce magnifique, mais absolument redoutable. Je vous rappelle le thème. Sorry, ça c'est une autre. Etc. Donc, quelques petits trucs qui m'ont beaucoup aidé. Il est d'abord essentiel, évidemment, évidemment, de mettre les doigts au bon endroit sur les cordes. Ainsi, par exemple, un passage assez difficile. Qu'est-ce que je pourrais vous choisir comme passage? Oui, celui-là, par exemple. Si Ouais, voilà, ça c'est un cas. Par exemple, je mets le doigt à côté et alors là, ça fout tout par terre. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne, hein. Donc, je reprends. Et alors, autre truc, il faut suivre la partition dans l'ordre, évidemment. Là, je viens de faire expressément un petit écart, et alors ça ne veut évidemment plus rien dire. Un autre truc qui me paraît important et même essentiel, c'est donc de croire dans ce qu'on fait. Parce que si on hésite, évidemment, ça c'est la catastrophe. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Oui, le final qui est assez bizarre quand même, hein. Oui, avec conviction, quoi, hein. Ouais, quand on hésite, justement, on se plante. Alors, l'important, c'est évidemment d'arriver jusqu'au bout. Voilà, si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et la semaine prochaine, nous allons attaquer du Villa-Lobos.